écrivez-vous un livre, pardon ? Pourquoi j'écris un livre ? J'ai écrit un livre qui est particulier parce qu'il s'agit du départ de mon enfant. Donc j'ai écrit pour m'apaiser, j'ai écrit pour partager. Et j'ai surtout écrit pour témoigner de l'amour inconditionnel qui me lie à ma fille. Voilà. Alors pensez-vous que ça aurait un impact sur les gens aussi qui vivent ce que vous avez vécu aujourd'hui ? Bien sûr, en tout cas je me rencontre aujourd'hui, effectivement, je reçois beaucoup de témoignages de parents qui ont subi la même épreuve que moi. Et après la lecture de ce témoignage, ils me disent que ça leur apporte de la force et de l'apaisement. Donc voilà, je suis heureuse d'avoir eu le courage de le faire. Alors, c'est un livre qui est écrit pour apaiser les esprits abattus, contris, je ne sais pas, ou quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui a vécu une histoire... Ou pas, je pense que c'est un partage avant tout. Les lecteurs ne sont pas obligés d'avoir vécu ce genre d'épreuve, et voilà, je me livre en fait, comme l'indique le titre, avec simplicité et à cœur ouvert. Voilà, c'est me découvrir un peu plus. Mais c'est quel public chez vous ? Ah, mais j'ai pas cherché à penser à un public quelconque. Voilà, je me suis livrée très spontanément et après, libre aux gens de vouloir et d'avoir envie de me lire. Pourriez-vous le résumer un petit peu, le titre ? Je parle de moi, de mon enfance, de ma vie de femme, de maman. Voilà. Et le peur de la page blanche, vous l'avez... Ah, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, oui, pendant 2 mois. Je suis restée à peu près ce laps de temps devant une page blanche et puis jusqu'au jour où tout est sorti. Et je ne m'arrêtais pas pendant des heures et voilà.